Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Mercato M. Malgré un accord entre l'OM et Adil Rami, les négociations se poursuivent entre le club olympien et son homologue sévillan. Le président de Séville, José Castro, a concédé avoir reçu une offre pour son joueur de la part de l'OM. Mais pour l'heure, la proposition olympienne ne satisfait pas le club espagnol. Nous avons une offre de l'OM, nous sommes en train de l'étudier. Elle est un peu en dessous de ce que nous espérons. On continue de négocier, mais si ça ne se fait pas, il restera ici. Les négociations se poursuivent donc et les positions des deux clubs pourraient se rapprocher dans les prochaines heures, l'offre olympienne étant légèrement en dessous des espérances espagnoles. La liste des attaquants envoyés à l'OM continue de s'allonger. Hier lundi, on vous expliquait que Gabigol avait été recalé par l'OM. Eh bien, il semble qu'il en soit de même pour Samuel Eto'o, dont le salaire avoisinerait les 4 millions d'euros. L'OM n'a pas souhaité donner suite concernant l'attaquant camerounais de 36 ans. En revanche, l'OM se serait penché sur le dossier de Nicolas Kalinic, l'attaquant de la Fiorentina, auteur de 15 buts la saison dernière et dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros. Courtisé par le Milan AC et l'Inter, le joueur pourrait faire ses valises cet été, mais a priori, il s'agit d'une solution de repli pour l'OM en cas d'échec sur les dossiers prioritaires que sont Giroud ou Bakka. Bilal Omrani pourrait faire son retour en France. Le pensionnaire du club roumain de Cluj serait en effet supervisé par trois fraîchement promus en Ligue 1. Cependant, Dan Petrescu, l'entraîneur de Cluj, souhaite pour l'heure conserver son attaquant auteur de 5 buts la saison dernière en championnat. Annoncé avec insistance du côté du PSG, le milieu de terrain monégasque Fabinho pourrait finalement prendre la direction de la Liga. En effet, la presse espagnole fait état de négociations très avancées entre le club de la Principauté et l'Atlético Madrid. Les Colchoneros pourraient en effet débourser 45 millions d'euros pour le joueur brésilien de 23 ans qui débarquerait en Espagne seulement en janvier prochain, le club espagnol étant interdit de recrutement pour le moment. Enfin, à l'étranger, Wayne Rooney fait un retour aux sources. L'ancien attaquant de Manchester United s'est officiellement engagé avec son club formateur d'Everton. L'attaquant anglais de 31 ans a signé un bail de 2 ans avec les Toffees. Ce transfert entre dans le cadre des négociations entre les deux clubs au sujet de Lukaku qui devrait faire le chemin inverse et rejoindre les Red Devils. Voilà, c'est tout pour ce Mercato M. On se retrouve très vite sur le Fosséen.